Première fois de sa vie qu'un homme a le bonheur d'entrer chez une femme en visiteur. Quand elle nous dit pardon, qu'elle nous laisse un instant, on veut regarder tout vite, on sait qu'on n'a pas le temps. Comme quand on met le doigt sur l'interrupteur, un silence qui s'installe avant le mot moteur. On découvre son ambiance, ses goûts et ses couleurs. On s'en remplit la tête à toute vapeur. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît et qui te ressemble, j'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. J'ai vite tout noté en douceur, j'ai tout planqué au fond de mon cœur. Tous ces détails avant qu'on se taille, sans même que je t'ai prise par la taille. La première fois de ma vie que tu m'as fait l'honneur de me faire entrer chez toi en visiteur. J'ai vu ton réveil noir et ton lit un peu bas, ta lampe et les tiroirs où tu ranges tes bas, le grand miroir ovale où tu te déshabilles, tes flacons de parfum, tes brosses pour les cils. J'ai respiré très fort pour emporter tout ça, en désirant très fort que ça devienne chez moi. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît et qui te ressemble, j'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. J'ai même vu sur un coup ton char, un bloc avec tous tes achats, et même des visages en photo de types que je ne connaissais pas. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît et qui te ressemble, j'ai rêvé de revenir en voleur chez toi pour y voler plein d'heures, des heures à se donner en douceur, des émotions comme des chaleurs, dans tes secrets faire une entaille après la plus douce des batailles.